Bonjour Frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui rentre la caillou. Donc, gros merci parce que nous avons suivi moi. Chaîne dans ces chaînes nous liées, c'est nous-mêmes qui avons mis fierté nous dehors, c'est nous-mêmes qui avons montré le monde. Nous qui avons fait cuisine aussi, nous qui avons un bon chef aussi, qui avons montré nous la bonne chose et puis qui a développé Cuisine Créole là, qui a fait invention ensemble avec nous. Moi dis nous merci, moi demande nous pour ça. Je dis à la m'bral préparer un petit chic taille de mori pour nous, ok? Chic taille de mori, ça m'bral fait, ben m'bral fait pour nous et puis nous après ça, ok? Même que mori là, que moi t'ai été mettre trempé depuis avant hier. Moi-même m'a vivre au Canada, ok? Mori salé, c'est tellement salé, c'est vraiment salé là. Moi t'ai plein ça de l'eau au complet, moi mettais deux salés depuis avant hier dans l'eau froide dans le réfrigérateur. Quand y a là, moi pour aller blanchir, ça nous t'arrête de cuite là, ok? Mais moi toujours dis nous même système là encore avec l'eau froide moi parti moi déposer moria et puis moi va faire le parti pour les bouillir qu'on a là moi censé faire un chita là c'est comme une salade OK mais point final c'est comme si c'était une salade de mori mais nous le chita et bien voilà qu'on a moi le parti là pour les cuire OK pendant que moria a cuit moria lui même côté l'a cuit dans l'eau tout simplement. On a, lorsque nous avons fait un chic taille généralement, ou bien oignon à mettre là-dedans. Moi-même, j'ai divisé l'oignon en deux. Ok? Première chose que je fais, je mets un petit huile. Je prends sauter un petit peu d'oignon. Je saute et puis je assaisonne. Et puis qu'on a pendant que mon riz est cuit, moi-même, je mets dans le réfrigérateur pour qu'il refroidisse aussi. Et puis nous prenons le qui ça va le donner. Ok? Qu'on a l'huile moi mettre le chaud, du chaud, qu'on a pris moitié d'oignon, qu'on a moi même fait pas maintenant avec oignon rouge, ok? Voilà. On prend moitié d'oignon, moi va faire ça. Moi mettre poivre, un peu de sel, ok? Très important, ça m'a dit non, sel nous on mettait en bas, mettez un peu de sel hein. Moi, je mettais un petit sel tout simplement pour l'oignon, hein, capable de chercher tout le sucre, tout le goût, toute saveur d'oignon. Ok? Parce que pas bien mourir. Son mourir salé, même s'il dessalé, il y a toujours un sel encore. Là. Voilà, c'est prêt. Ok? Là, c'est ça un oignon tombé. Un oignon qui tombé, c'est pas coloré, c'est bien sué, c'est comme des eaux. Et comme si tu as cassé le scamp figuier oignon. C'est comme si là, regardez, il n'y a pas de scamp encore. Il n'y a pas un bagage qui ferme, ok? On a tout de suite, ça me fait. Je mets le petit poil. Avec toute cette huile en bas, peu importe. Qu'on a là, je vais mettre le réfrigérateur pour le refroidir, ok? Qu'on a là, je vais commencer à faire chic taille de moria pour nous. Donc, je vais commencer à faire cette salade de moria pour nous, ok? Moi, qui étant bien blanchi moria, moi, qui cuit, ça veut dire qu'on a là. Déchiqueter le devant nous, ok? Qu'on a aussi déchiqueter selon humeur. Si vous voulez faire le plus fin que possible, faire le plus fin. Moi, je fais le cuit et puis moi, je mettre le passer dans l'eau froide. Mettez le sous l'eau froide et puis pour les refroidir et puis pour me craser là, ok? Bon, une fois qu'elle est bien déchiquetée comme ça, qu'on a là, je mettre les ingrédients. Moi, mettez oignon en julienne, mince là-dedans. Petit oignon que moi te souhaite, la moitié oignon que je mette. Nous pas besoin inquiéter nous, quantité ingrédients, m'a mettre en bas vidéo pour nous. Ça c'est pour apporter du goût. Moi mettez poivron rouge et vert coupé en julienne. Pourquoi en julienne? Nous te nous couper en cube aussi hein. C'est votre choix mais m'a dit pour qui ça en julienne. En julienne c'est parce que nous pouvons le déposer pour le déposer comme une sorte de salade. Donc, si c'est un petit cube, nous avons toujours la misère pour la ramasser pour le petit bout, petit bout, petit bout. Ok? Qu'on a mis ces persil haché. On met deux gousses d'ail haché. Ail normal. Ail frais. Ça là, c'est un petit piment bouc. Moi, simplement, pas prends pas fin. Ça veut dire que je prends un grenant pour le piquer. Je retire le grenant au complet. Et puis après ça, je mets un petit pois. Pour capoter un bon goût là-dedans. Et là, je mettais une moitié de lime, citron. Ok?
Qu'on a là, moi, mettez l'huile d'olive. Mettez 2 cuillères d'huile d'olive. Ok? Là, maintenant, me brasser. C'est déjà le chic thaï. Ok? Venez. Chic thaï des morilles. Et voilà. Ok? C'est vraiment beau. Bon, me dis nous qu'on a là. Là, nous avons un chic thaï. Les notes en Haïti, là, sont chic thaï, nous avons là. La seule différence, c'est de l'école en Haïti, il y a du mettre vinaigre là-dedans. Et puis, il y a du échalote là. Tremper dans le vinaigre pendant 2 jours. Sauf le fait ou café. Mais pour moi, ce n'est pas important. Ok. En ce qui concerne le vinaigre, sauf l'eau, on doit mettre le vinaigre là. Qu'on a nous-mêmes qui est à l'extérieur du pays. Si toutefois, on remet moutarde, ou qu'on mette la moutarde Dijon là-dedans. Et pour qu'on mette l'autre légume encore là, par exemple, on doit prendre un petit carotte au râpé, on doit prendre un petit concombre ou émincé, et pour mettre là-dedans. C'est une salade. Ok. Qu'on y a là, pas j'oublie l'objectif de chaîne là. Moi-même, objectif moi, c'est toujours mener nous ailleurs. Aller faire quelque chose que nous pas habitué à faire. C'est tout. Mais ça, c'est fait là. Ok? Qu'on a là, de toute façon, je me dis nous, c'est un saladier. Qu'on a là, on va faire un bagarre avec nous. Qu'on a malé plus loin. Tout le monde, tout le monde qui t'a demandé, c'est quoi un chic taille de mori. Même faire chic taille de mori pour nous, c'est ça qu'un chic taille de mori. Qu'on a comment qu'à manger, comment qu'à présenter son favel. Son salade. Souvent, on a juste mettre dans un bel petit bolou. C'est ça que je vais faire pour nous l'entaler. Mais qu'on a mal mené nous ailleurs. Regarde ça. Qu'on a pour mener nous ailleurs, qui ça m'a fait? N'a pas comme George. Mais qu'on a là, on va le faire. Yon petit chic taille. Gratinez-vous nous. Ok? Qu'on a là, on prend même. Pas besoin de goûter. On connaît le bon. Ok? Depuis sous couleur, nous, on est en bon. Waouh! Ça, c'est un série de petits coups qu'on fait. Comme nous, qu'on est. Moi-même, les maps fait, on sait des bails, j'ai toujours fait tout petit à faire pour compte moi. Pain ça là, les nouvelles regardent des recettes là. Les nouvelles regardent des recettes pain, hein? Je mets des recettes ça avec tout. C'est pain, moi, fait que fait aujourd'hui à auto. Moi, fait pain maison pour nous, c'est lui-même, moi, coupé là. Vraiment bon pain, moelleux, le bon pain, bon, bon bagaille. Ok, qu'on a là, je vais exposer tout petit crouton. Qu'on a mal mis le fromage sous lui. Ok. Qu'on est assez fait. Qu'on a là, lui-même là, petit crouton ça. Moi, pour le mettre en bas fou. Mais, ok, même présenter le lancer pour nous là. Lorsque nous avons un petit commande mariage, nous voulons déposer ça là, nous mettons comme ça. Lui-même, nous pas besoin de faire décoration sous lui. Si que nous mettons belles légumes là-dedans, j'en sais là. Vert, rouge, jaune, ou tout qui est en gain ou décoration, les gens pas besoin d'un gourmet pour mettre des bagages au côté. Très bon, la seule chose que nous avons dit, c'est pour être juste marqué chic taille de mori à côté pour mon ouais. Ok? C'est beau. Qu'on a là, moi, continuer avec nous la présentation des assiettes et puis chic taille de mori gratiné. Ok? Et voilà. Ça, c'est chic taille de mori gratiné. Ok? Qu'on a là, moi, faire une petite présentation avec vous. Ok? Si présentation m'a fait pour nous, m'a fait pour nous avec quelques petits feuilles de bébé pinard, ok? Forcément, c'est. Ça, c'est un petit coulis de balsamique. Voilà, mettez un petit crouton sur lui. Un petit rentrée de chic taille de mori. Ça, c'est des assiettes de chic taille de mori. Je te présente nous. De façon différente. Ok? Moi dis nous merci. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef et votre ami à la maison qui est entré la canon, qui vous te met en valeur un petit chic taille de mouille pour essayer de payer. Merci.